T'es pas au rendez-vous hier soir. C'est pas bien, Rudy. Tu as 24 heures pour nous donner la marchandise. Toute la marchandise. Et n'essaie pas de nous doubler. C'est moi, Evelyne, ouvre. Peut-être, mais je voudrais connaître votre nom. C'est moi, Rudy. Nous nous connaissons. Tu ne reconnais pas ma voix? Pourquoi? Je le devrais? Je t'en prie, ouvre, j'ai besoin de te voir. Et pourquoi diable t'ouvrirais-je, Rudy? Tu vas jouer à ce petit jeu longtemps? J'ai pas envie de t'ouvrir. Pourquoi? Tu n'es pas seule? Si. Aussi étrange que cela puisse te paraître, je suis seule. Bon. N'insiste pas. Au revoir. Rudy. Eh bien, c'est pas trop tôt. Commence pas, Rudy. C'est facile à dire. Mais tu as vu dans quel état tu es? Oui, j'ai eu des petits problèmes. T'es vraiment une chic fille. Comment m'en suis-je pas aperçu plus tôt? Il est temps que je rattrape le temps perdu, non? Eh bien, dis-moi, tu m'avais caché que tu étais plutôt du genre sentimental. Evelyne, je suis dans le pétrin. Mes poches sont complètement vides.
et j'ai besoin $1 million. Tu peux me les avancer? Je te rembourserai. J'aurais dû m'en douter. Tu ne changeras donc jamais. Tu m'aimes comme cela? Tiens, c'est tout ce que je peux faire pour toi. Maintenant, dehors! Tu verras, Evelyne. Je te rembourserai tout ça très bientôt. Ah oui. J'espère bien ne plus jamais te revoir. J'en ai plus qu'assez d'être prise pour une vache à lait. J'en ai assez de voir mes sentiments bafoués. Tu n'es pas venue par amour pour moi, mais par intérêt. Et c'est pareil à chaque fois que tu viens. Ça ne se reproduira plus. Sais-tu à quoi va me servir ce fric à me tirer de ce bled? Alors je viens de commettre une erreur. Parce que je ne suis pas prête de te revoir. Et où vas-tu aller, Rudy? Je redoute que tu partes très loin. Je vais en Afrique. Mon frère est là-bas. Simplement te laisser un petit souvenir, mon gars. Et ne me dis pas que t'as les foives. Je te croirai pas. Non. Thank you.
veux pas qu'un étranger pénètre dans le camp. Je me suis fait comprendre. Mais je suis pas un étranger. Je crois me souvenir que je suis ton petit frère. Ah non, mais tu dérailles, mec. Mon petit frère, c'est tout, non? Non, mon vieux. Nous ne sommes pas de la même race. Tu me l'as assez répété. Ma présence à la maison te dérangeait assez, non? Le jour où ta mère et toi êtes entrés chez nous, tu as tout fait pour me faire foutre à la porte et tu as réussi. Ta salope de mère s'est faite épouser pour ne plus faire le trottoir. Tu es pareil, tu bouffes à tous les râteliers. Telle mère, tel fils. Tu m'en veux toujours malgré toutes ces années, mais dis donc. T'as la rancune tenace. Mais au fait, sais-tu ce qu'est devenu ton père? C'est plus le mien. Les flics l'ont coincé. En train de bousiller un pauvre noir avec une matraque. Et en plus, ce crétin avait un flingue quelconque. Alors? Tu as fait tout ce voyage pour me dire ça. J'ai du mal à croire à ta compassion. Mais le fait est que je ne veux pas que tu finisses comme lui. Tu vas arrêter tes salades, petit merdeux. Pourquoi es-tu là? Allez, connard, crache le morceau ou je te fais bouffer tes couilles. Je suis dans la merde. J'ai besoin d'aide. Ah ouais. Je suis grillé. Je peux pas t'expliquer, mais j'ai un mec à mes trousses. Je suis en sursis, Franz. Je peux pas revenir au pays. Il faut que je me refasse un nom ailleurs. Et tu désires refaire ta vie auprès des rebelles. C'est cela? Sois pas con. Tu sais bien que je déteste la bagarre. Non, mais tu vas m'aider à aller en Amérique. Je sais que tu peux le faire. Tu ne peux pas me refuser cette chance. Il m'est impossible, financièrement parlant, de te faire sortir d'ici, je suis désolé. Enfonce-toi ça dans la tronche, une bonne fois pour toutes. Je suis un pauvre mercenaire qui braconne dans la jungle. Je n'ai rien à t'offrir. On ne me la fait pas. Je me doute que tu t'es créé un petit réseau pour assurer tes vieux jours, c'est pas vrai? Pourquoi tu te fâches, Franz? Nous savons tous que tu collectionnes les diamants. Tu dois bien en avoir un ou deux pour moi. Tu es devenu complètement taré, Rudy. Bon, maintenant, reprends tes esprits et écoute-moi. Je dois partir, j'ai un gros travail à faire. Ça me prendra exactement 2 jours. À mon retour, je te conseille de ne plus traîner ta carcasse dans le coin. Tu me fais vomir. Et j'aime pas être malade. Encore 4 heures et nous pourrons rentrer au campement, les gars. En attendant que chacun surveille son poste. Vous avez l'air pressé de filer. Les soldats du nouveau gouvernement sont là. Cette région n'est plus très hygiénique pour nous, Fred. Mieux vaut filer en vitesse. Bon, allez, obéissez aux ordres, compris? Entendu. Tu prends le premier quart, après Bob et après Dan. Moi, je passerai après toi. Ce salaud, je la coule douce pendant que nous, on va se casser. Rappelez de voir. Bouclez là où je m'en mêle. Pigé ? Thank you.
Qui va là? Quel manga, c'est moi. T'es en avance. Il peut pêcher des merveilles pareilles, mon Dieu. Fred, mais où sont les autres? Eh bien, on est tombé dans une embuscade. Quoi? On était tous endormis. Ils sont tous morts. Le colonel. Fait prisonnier. Je suis le seul à m'être échappé. Ces salopards de Bamboula vont tous nous massacrer si on ne les bousille pas tout de suite. On fera ce que je dirai. Quand on s'est engagé, on savait ce qu'on risquait. Ce genre de truc ne devrait pas t'étonner. À la guerre comme à la guerre. Le colonel est d'accord pour se tirer. Il l'a dit à tous les hommes. Oui, mais il est manquant. Et en son absence, c'est moi qui commande, alors vous exécuterez mes ordres. Barney, on ne peut pas le laisser entre leurs mains. Ils nous le tueront, c'est sûr. J'en suis pas sûr. Voilà ce que je décide. Avant toute chose, on va raser le village des rebelles, faut les mettre hors de nuire et après on avisera, c'est pigé? Faut agir très vite. Je suis de l'expédition. Tu feras ce que je dis. Écoute-moi bien, j'ai dit que je venais. Et moi, j'ai dit que non. En route. Va jouer avec ton seau. Thank you.
Gabédé ! Gabédé ! Peter. Oui, Fred. Peter, dis-moi, tu as peur de la mort? Bien sûr, mais pourquoi? Je crois qu'on l'a trop défié. Un de ces quatre, nous allons payer nos conneries. J'ai peur, Peter. Un jeu. Stéphane, écoute un peu ça. Oh, te fatigue pas, je suis un illettré. Je crois que je vais vivre comme une nonne ouvre un potin. Quand elle a dit ça, je suis devenu comme fou. Depuis, je brûle ma vie par les deux bouts. La disparition de Franz ne t'ennuie pas? Eh bien non. Depuis quand êtes-vous ensemble? Ce n'est plus très important. Oui. T'as peut-être raison, laissant tomber. Après tout, il n'est plus là. Pauvre type. Pourtant, quel dommage. Vois-tu, j'aurais bien voulu savoir où il cachait ses diamants. Ils me reviennent. Mon frère n'avait pas d'héritier. Où les a-t-il planqués? Si tu le sais, dis-le. Non. Si on parlait d'autre chose. Mais c'est vital pour moi, Diana. Les diables ne sont pas ici, alors arrête de rêver, Rudy. Tu perds ton temps. Je dois le savoir. Il les avait toujours sur lui. Tu es satisfait à présent? Bordel! Ces salopards vont récupérer une sacrée petite fortune. Non, Franz est plus rusé que cela. Merde, merde! Franz les cache dans la ceinture de son pantalon. Alors avant qu'il les trouve... Donne-moi mon pèse, je me casse. Qu'est-ce que ça veut dire? Je fous le camp d'ici. Il n'en est pas question. Rappelle-toi, t'as signé un contrat, tu veux que je te le montre? Ouais, mais pas avec toi. C'était avec Franz Kübler.
Ceux qui nous ont engagés n'ont rien à foutre de France. Écoute, me fais pas pleurer, hein, je veux ce pognon, il est à moi. D'autre part, j'ai pas envie de rester avec un fils de pute comme toi. Stéphane, écoute. Je t'ai dit d'aller te faire foutre avec ça. Ce salaud voulait nous lâcher. Il vous a dit pourquoi? J'ai rien d'autre à ajouter. Vous avez honte de dire qu'il a traité son chef de poltron. Eh, on se calme. On a tous la même opinion sur vous. Alors vous n'êtes que des chiens. Ça suffit, on en a ras-le-bol de vos menaces, sergent. Nous sommes tous dans la même galère, alors on doit tous être solidaires les uns des autres. Et puis vous oubliez, Franz, vous avez rien fait pour le tirer d'affaire, hein? J'allais vous le dire. Demain, nous partons au casse-pipe compris. Je me demande ce qui pue le plus, les chiottes ou les chameaux. Tu l'as déjà senti, lui. Bon, tu arrêtes de dire des conneries. Sinon, moi, je te récite tout un verset du Dernier Testament. À moins que tu ne préfères une page d'Hemingway. Ok, papa. J'ai toujours pensé qu'en te parlant gentiment, on pouvait s'entendre avec toi. Tu vas fermer ta grande gueule ou je te fais avaler ton râtelier, mec. Dis, tu savais, toi, qu'il avait un dentier? C'est sa femme qui va être contente. Il va pouvoir faire une descente à la cave sans la mordre. Enfoiré! Et du calme, Barney. Il plaisante. Moi, j'aime pas ce genre d'humour. Tu l'apprécies mieux quand ce sont les copains qui en font les frais. Et tu continues, Arthur. Je te brise les reins, mon salaud. Tu paries combien que non, Hercule? Ce que tu veux. Je suis ton homme, quand tu veux. Parce que tu vois, moi, j'aimerais bien t'arracher les mirettes. C'est pas possible, vous êtes en pleine ménopause. Thank you.
Qu'avez-vous fait du colonel Franz Kubler? Je sais pas. Tu ferais mieux de me le dire. Non. Je sais pas. Non. Donnez-moi de l'eau! J'aimerais que le colonel Kubler assiste à la triste fin qui attend ses bons amis afin qu'ils comprennent qu'un étranger ne doit pas s'occuper de nos affaires. Ouvre la porte. Non, pas maintenant. Ménagez votre gourde. Nous avons encore le désert de Doncali à traverser, votre eau sera précieuse. Ok, Barney, ok, on a compris, on n'est pas idiots. Ça fait au moins 10 fois que vous le répétez. Vous ne ferez pas le fanfaron quand vous serez au combat avec les copains. Si on s'en sort, on aura du bol. Ta gueule. Ça ne sert à rien d'avoir la trouille. Veux-tu dire que je suis un poltron? Tu t'es pas regardé, vieux? Qui s'est enfui en laissant France se faire piquer? Tu te souviens? D'accord, j'y étais. Et alors, j'étais pas le seul? Oui, mais... les autres, ils y ont laissé leur peau. T'es le seul à t'être échappé. Tu as de la veine. Oh, mais tu oublies qu'il s'était planqué tel une gonzesse. Effarouché à l'idée de se faire dépuceler. Ferme ta gueule, Arthur. Garde tes forces pour la marche. Il est temps de repartir. Allez, levez vos culs. Bon... vous entendez? On vous a dit de vous lever.
Tu me donnes envie de gerber. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, c'est rien. Rien du tout. Va devant. Madame Assez-Vapeur. C'est à moi que tu parles ? Non, à ta petite fiancée. Mais j'en ai pas. Bon, d'accord. Bon, t'avances ? J'ai fini pour lui. Foutez-lui la paix, on peut rien pour lui. Foutez le camp, j'ai dit. Arthur.
Dans l'Égypte ancienne, lorsqu'on entendait le cri des chacals en pleine nuit, on croyait que c'était le dieu Anubis qui voulait parler aux hommes. Cet étrange animal était le gardien du palais d'Osiris et assistait Thol dans son travail. Il pesait les corps des défunts. C'est-il pas incroyable, ça? Plutôt fascinant, mais je trouve ça effrayant, en fin de compte. Les soldats qui étaient ici, où sont-ils allés? Je t'en sais rien. Nous venons juste d'arriver. Ils ne partiront pas avant de savoir. Est-ce que tu saisis? Ce n'est pas la peine de jouer à James Bond, petit. Tu ne leur échapperas. Voulez-vous m'excuser? Alors, mon gars. Parle, saleté! Parle! Oh. Non, arrêtez, vous allez me tuer! Dis-leur! Je t'en prie! Ma pitié, ne lui faites pas de mal! Je sais où ils sont partis, en direction du Comical! Eh ben, t'en as mis du temps, ma belle. Bon, allez, on y va. C'est exact. On n'y arrivera jamais, nous sommes à l'opposé. On en a au minimum pour 5 jours de marche. Ou 2 si on prend le train. Que veux-tu dire par là? Je me comprends. J'ai une idée. Oh, je sais, je suis cinglé, mais bon, c'est pas nouveau, alors ça peut marcher. Il me faut un volontaire. Je suis partant. Ok. Vous attendez ici et si tout gaz, je vous le fais savoir. Moi, je me demande si on finira par retrouver Franz. Bordel ! À boire ! À boire ! À boire ! J'aurai le droit de vous faire subir le même sort que vous réservez à mes soldats. Mais je préfère que vous soyez jugé par un tribunal invrai, colonel Franz Kubler. Pas que les... Tala! Non!
Peter! Pourquoi tu te changes? Mais qu'est-ce que tu fous? T'as quand même pas cru à mon petit numéro de bravoure? Ou alors t'es vraiment un con, je me tire. Je suis pas un héros. Et c'est pour voir. Et je te transperce ta jolie petite gueule. Ok, Patford. Ici Pavel, à vous Barney. Ici Safford, à vous Barney. Ici Barney, à vous. Barney, c'est vous? Opération réussie, le train est à nous. Terminé. À vous. Bien joué, Pavel. Voici notre position. Au nord-ouest de la vieille ville, nous avons fait du nettoyage, vous pouvez me croire, mais faut se grouiller. Vous pouvez sortir de votre trou. Vous avez entendu? On y va. On a le train. Allez, debout, ils nous attendent. Arthur, attrape. Debout, négresse, tu nous quittes pas. Tu vas suivre tes maîtres. Et j'espère pour toi que tes renseignements sont justes. Allez, c'est parti. Fred,
T'as plus de whisky? Non. 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 Arrêtez! Dernière fois que je t'aime. Tu ne m'aimes donc plus. Fred. Ferme, tu veux. Elle doit avoir de sacrés nichons, tu crois pas? Moi, je voudrais bien aller les voir. Ah!
Écoute-moi, mon salaud. Moi aussi, je veux en profiter. Cette fille n'est pas votre propriété. Lui aussi, il y a droit. Je peux m'en passer, merci. Faites-le sans moi. À ton aise. On va tirer à la courte paille, ok? Comme ça, on verra qui commence. C'est honnête, alors vas-y. Le premier à se la taper, c'est celui qui a le plus grand goût. Moi, ça me va. Il devient de moi, alors. Il est normal que je sois le premier. Pas question. On fera comme j'ai dit et tu vas m'obéir. Sinon, je te fous mon poing dans la gueule. D'accord, d'accord. Lâchez-moi, ok. Maintenant, tu choisis. Juste, j'ai tiré le plus grand brin de paille. Allez, ma jolie, moi je vais te faire du bien. Ben lâche ça, tu fais pas le poids. Alors vas-y, va. T'as peur? T'approches pas de moi, sinon... Mais dis donc, c'est pas très gentil ce que tu me dis là. Fous le camp! Bon, si tu veux vraiment me tuer, je t'en prie. Rudy, il sait tirer, juste quand on a besoin de lui. Fred, content de t'avoir connu, vieux. Pas de panique. Attendez qu'il soit plus près.
t'es là comme un connard, lance une grenade, nom de Dieu! Non, attendez. Il commence à surplier. Attendons qu'il récidive. Alors nous utiliserons les grenades. Faut économiser les munitions. Vous attendrez mon signal, c'est compris? Perdez pas votre sang-froid. T'en as au moins un million, nom de Dieu. Une vraie nuit de sauterelles. C'est pas possible, ils ont réquisitionné toute la population. Du calme. C'est le moment. Allez! Thank you.
Papilla, papilla. Janjanec. Janjanec. Manag. Je veux parler à votre commandant. Je dois aller lui parler. J'ai un truc important à lui dire. Oh, à quoi bon? Vous comprenez pas le français. Vous n'êtes que des cons. Que vous vouliez voir le commandant est un fait. Mais c'est pas une raison pour nous insulter. Venez, j'ai pas que ça à faire. Et à l'avenir, soyez un peu plus respectueux, hein? Pauvre dégénéré. Je suppose que je ne te reverrai pas d'ici longtemps. Oh, ne sois pas aussi possessive. C'est uniquement quand tu es fauché que tu viens me voir. Veuillez appeler votre commandant, s'il vous plaît. Veuillez aller chercher votre commandant, sergent! Voulez-vous aller chercher votre commandant? Vous devez avoir des choses intéressantes à me dire, à moins que vous ne soyez un touriste. Non, je suis un agent du FBI. Votre attitude ne m'impressionne pas. Allez droit au but. Comprenez-moi, je ne pourrai pas retenir trop longtemps mes hommes. Ils veulent votre peau. Bien, dans ce cas, je suis journaliste. Je travaille pour l'African Express. Que voulez-vous savoir? Bon... J'ai entendu dire que vous aviez capturé le fameux mercenaire, le colonel Franz Kübler, est-ce vrai? Tout à fait exact, oui. Et l'avez-vous exécuté? Non, nous n'agissons pas en sauvage, vous le voyez. Mais dites-moi, que pensez-vous de ce Kübler? Mais je veux votre opinion personnelle, vous me comprenez? C'est un bon soldat, difficile d'en avoir un meilleur, mais c'est un monstre. Il ne respecte rien, même pas un homme qui va mourir. Pourrais-je avoir une interview de lui? Pardon? Oh, je vous prie de m'excuser. Je me doute bien que vous avez peur d'une évasion possible. Je viens de donner des ordres pour que vous le voyiez. Laissez tout ceci, c'est une simple mesure de précaution.
Franz Kübler, je suis reporter au journal l'African Express. J'ai eu la permission de vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez l'intention de me parler ? Tu serais déjà mort deux fois si je n'étais pas curieux de savoir ce que tu viens foutre dans ce trou à rats. Tu sais bien que ta présence me donne la nausée. Il me semble que je t'avais dit de filer, non ? Tu as vu, la porte est ouverte. Pourquoi n'essaies-tu pas d'étrangler les deux gardiens ? À moins que tu préfères moisir ici. L'allure, personne ne nous a suivis. Franz, arrête cette voiture, je veux pisser. Mon cher petit frère, où irait-il ? Montre-moi ta tête. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu as une crise de sentimentalité ? Que penses-tu de ma prestation, Franz ? J'étais à la hauteur ? J'ai été plutôt du genre brillant, tu crois pas ? C'est pas le moment de se raconter nos impressions. Allez, monte ! Hé, y a rien qui nous presse, frérot. Avoue au moins que j'ai été très digne de toi, tu trouves pas ? Je t'ai pourtant sauvé la vie. Si ça peut te faire plaisir, je rends grâce à ton habileté, ton intelligence et ta bravoure. Merci du fond du cœur. Sans intérêt. Tu peux aller te faire voir avec ta reconnaissance. Tout ce qui m'intéresse, ce sont tes diamants. Je sais que tu en as une sacrée collection. Où les as-tu cachés ? Écoute, mon gars. C'est le genre de choses qui ne regardent que moi. Ah oui, tu crois ça, toi ? Mais à ton avis, pourquoi suis-je venu t'aider ? Par amour fraternel ? Alors laisse-moi te dire que tu te gourres, Franz. J'ai toujours dit que t'étais un salopard. Ah, tu crois que tu vas pouvoir résoudre tes problèmes en t'appropriant tout mon pèse ? Je me suis trompé sur toi. Tu vas me donner ton petit trésor ou la prochaine fois je la tire entre tes yeux. Come on!
Allô? Ben voyons, j'ai fait que ça de t'attendre, tu parles. Oh. Bon, ne bouge pas, je descends. Thank you.
Peux-tu m'expliquer à qui tu as emprunté l'argent? Tu m'aimes toujours, non? Où allons-nous, Rudy? À l'aéroport. C'est toi qui choisiras la destination.